Hey, salut tout le monde, c'est Lady, j'espère que vous allez bien. Alors je fais aujourd'hui cette petite vidéo en réponse à de nombreux messages que j'ai reçus dans lesquels vous me demandiez comment se procurer des éclats d'ascension, est-ce que j'ai une technique infaillible pour ça? Alors malheureusement non, j'ai pas une technique miracle, mais j'ai 6 petites méthodes à vous communiquer, donc j'espère que ça va bien vous aider, à savoir que la première n'est pas la plus efficace puisqu'il s'agit d'avoir, je dirais, la chance du débutant, j'adore dire ça, de l'avoir en mode multijoueur, c'est-à-dire en mode épreuve, et de remporter un éclat d'ascension en mode épreuve. Donc là, ça ne dépend vraiment pas de vous. Donc on va passer tout de suite aux autres techniques. La deuxième étant de décrypter des engrammes légendaires ou exotiques. Donc bien évidemment, on préférerait s'attendre à du matériel ou des armures légendaires et exotiques, mais il faut savoir que c'est une des possibilités, on peut très bien looter des éclats d'ascension en décryptant les engrammes. La troisième méthode quant à elle, c'est de réaliser des événements publics. Alors certains disent qu'on peut en avoir jusqu'à plusieurs par jour, ce qui est sûr c'est qu'un minimum peut suffire pour vous donner un éclat d'ascension. Si jamais vous souhaitez connaître l'ordre d'apparition des différents événements publics sur les différentes planètes, vous allez sur le site qui s'appelle eventspublic.com, quelque chose comme ça, je vous mettrai le lien dans la description et ça va vous donner les différents spots d'événements publics au fur et à mesure de la journée. La quatrième méthode, c'est de réaliser la mission du jour. La cinquième méthode, c'est de faire le raid. Alors en mode normal ou en difficile, peu importe, je pense que le raid, c'est le meilleur spot pour les éclats d'ascension. Vous allez en avoir à l'appel. Ça et les énergies d'ascension, c'est quelque chose que vous aurez énormément en faisant le raid. Et la sixième et dernière méthode, c'est de démanteler les armures exotiques. Alors vous allez me dire, oui, ok, mais pour en démanteler, faudrait peut-être déjà en avoir. Donc pour vous procurer des armures légendaires et exotiques à foison, le mieux, c'est de réaliser les assauts de l'avant-garde. Plus vous mettez au niveau et plus vous aurez de belles récompenses, bien évidemment. De faire le raid et la mission du jour, comme je l'ai dit précédemment. Vous pouvez aussi réaliser l'assaut épique de la semaine. La nuit noire sera également une bonne astuce. Pour terminer, vous pourrez les acheter auprès de Xur ou auprès de votre faction en l'échange des écus de faction. Et mon dernier petit conseil pour obtenir des écus de faction, c'est tout simplement de réaliser les assauts niveau 24 le plus souvent possible. Et voilà, c'est tout pour cette petite astuce. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à la partager ou à vous abonner si jamais vous souhaitez d'autres astuces. En attendant, moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur du Destiny. Ciao, ciao !